Hello tout le monde, comment vous allez? J'espère que tous mes abonnés vont bien. Je sais que vous attendez cette vidéo décryptage de la part de votre humble serviteur Ritor. J'espère que vous appréciez ma nouvelle monture de lunettes. Voilà, elle m'a coûté vraiment très cher. Aujourd'hui, c'est une vidéo exclusive au dernier des Bordeaux les Koufa. Au dernier des Bordeaux les Koufa, en featuring avec Didi B. Ah, Didi B. Ton buzz finit pas. Ça fait plus de 2 ans maintenant, tu mousses pour partir. Hier, aux environs de 23h59, de Bordeaux nous lâchait sa dernière bombe, dénommée Do. En fait, avec Didi B, donc on va essayer de décrypter tant bien que mal ce nouveau bijou de Bordeaux Lico. Enfin, on se prend juste après le générique. Bon retour chers abonnés, bon retour, merci de liker, de donner aussi vos avis en commentaire parce que au travers de cette vidéo de décryptage là, vous savez que des Bordeaux nous avait fait une séquence de posts, une série de posts sur sa page Facebook comme quoi c'était chaud sur lui en studio parce que le petit Didi B l'avait trop appuyé, c'était chaud, qu'il a même fallu reprendre ses parties et tout ça parce que le petit avait tellement bien posé sur le morceau. Donc j'aurais besoin de vos avis en commentaire. Entre le Dangoro, on va dire le vieux père et le petit. Qui a appuyé qui? Voilà, question de rigoler un peu en commentaire. Donc j'ai besoin de vos avis. Soyez francs, si vous estimez que c'est Didi B, ne vous gênez pas. Voilà, on dit les avis, les choix sont personnels. Voilà, comme la beauté, on le dit aussi, est relative. Donc ne vous gênez pas en commentaire, donnez vos avis, s'il vous plaît. Voilà. Cependant, on passe au décryptage du tout dernier de Bordeaux Likoufa. C'est sorti hier à 23h59 et très franchement, je suis fier de ces deux artistes-là, de ces deux gros artistes-là, Didi B et des Bordeaux Likoufa. Ils ont fait fort, ils ont fait très fort. Je commence par quoi? Je commence par le clip, je commence par la prod ou je commence par les performances de ces deux artistes-là? Je commence par quoi? Parce que avant même de rentrer dans le fin fond du décryptage, j'ai envie de dire quelque chose, j'ai envie de rendre un petit hommage à des Bordeaux Likoufa. Vous savez, pour ceux qui me suivent, j'ai passé là-bas des 1200 vidéos ici sur cette chaîne YouTube. Mais, on me tag en tant que manager de Bordeaux. On me tag en tant que super fan de Bordeaux. On me tag en tant que le frère de Bordeaux. Je ne suis pas en train d'exagérer, c'est la vérité. Donc souvent, quand je dis souvent aux gens que je suis fâché contre la tisse, actuellement moi et la tisse, on ne se parle pas, ils disent c'est fou. Là tu dors avec la tisse, là tu manges avec la tisse. Quelqu'un qui défendait, c'est ton propre parent. Franchement, je dis tout ça pour dire tout simplement que je ne regrette pas de défendre des Bordeaux Likoufa. Hormis ses dérives, hormis ses frax, c'est un gros talent de notre musique ivoirienne. Je ne parle plus du coupé décalé. C'est un génie musical. Des Bordeaux Likoufa est fort. Bref, là on a affaire à un son plein de nuances. Je vous explique. Une intro, on va dire, un peu à la R&B. Avec les envolées mélodieuses des Bordeaux Likoufa. Comme à son habitude. Et pas trop loin dans le son, on a une ambiance. L'ambiance se fait par une pause de voix, je dirais extraordinaire, des Bordeaux Likoufa. Mais des Bordeaux Likoufa, tu es un bon menteur. Hein? Parce que pour vous dire quoi, quand j'ai écouté le morceau, et puis j'ai regardé la scénographie du clip, et que des Bordeaux dans le clip, pour ne pas dire dans le morceau, nous dit attends, je vais t'expliquer. Je pensais que des Bordeaux allait nous faire un atalakou en français. J'ai prêté l'oreille au moins 100 000 fois sans comprendre les conseils qu'il voulait donner à Président Extractor, qui est aussi un acteur de ce beau clip-là. C'est pourquoi j'ai dit des Bordeaux Likoufa. Bon menteur aussi, parce que tu as toute son attention, mais il ne dit rien de bon. Et puis à la fin, il nous dit, c'est de ça que je voulais te parler. C'est ça un peu le génie des Bordeaux Likoufa. C'est pourquoi je vous dis ce morceau-là. Être fait de nuances au début avec une rythmique R&B où des Bordeaux vient avec des envolées et tout ça pour nous apprêter à ce qui arrive, à ce qu'il va envoyer dans le son. Et quelques secondes plus tard, bam, il rentre un peu en mode atalakou ambiance. Et vous voyez un peu ce que ça donne. Mais pour vous dire vrai, dans ce morceau-là, pour ma part, des Bordeaux a tué. Comme à son habitude, il n'y a rien à dire. Il a posé avec maestria. Mais pour ma part, à mon humble avis, le mérite revient à Didi B. Je vous explique pourquoi.
Il dit oui, simplement, pouvait rapper en tant que très bon rappeur. Mais comme il nous l'a dit dans un de ses morceaux, que c'est pas un rappeur, c'est un artiste, il nous l'a démontré ici, dans Dodo Dodo. Regardez, lui par contre, il vient en mode rap à Talakou un peu, et après, il nous fait un Talakou en français. Parce que, après l'ambiance de Bordeaux Likoufa, vous voyez que l'entrée de Didi B aussi, c'est toujours en mode R&B. Voilà, c'est pas rythmé. Et quand lui finit aussi son intro, il enchaîne en Talakou, mais en Talakou français, où il envoie plein de choses. C'est un grand morceau. Parce que là, on a vu deux génies musicaux qui nous ont montré une petite dimension de leur talent. Il faut respecter Didi B. Je ne le compare pas à quelqu'un dans le rap ivoire ou même dans la musique ivoirienne. Mais c'est un super gros talent. Comme Géa le dit, le petit là, il est fort. Il faut respecter ça. Tu peux ne pas l'aimer. Tu peux dire qu'il surfe la mouvance des petits du moment, le maïmouna remonté, mais il le fait bien. Il faut être talentueux pour pouvoir le faire. Mais revenons à Debordeaux Likoufa. Moi, je respecte Debordeaux Likoufa, vous savez pourquoi? Il est fidèle dans ses morceaux. Bien que ses morceaux sont vraiment bien structurés, mais il est vraiment très fidèle à son copé décalé. Debordeaux Likoufa, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il va vous rappeler dans un de ses morceaux que c'est un puriste copé décalé. C'est le copé décalé qui a fait qu'il est Debordeaux aujourd'hui. Écoutez bien Dodo, vous allez voir que Debordeaux Likoufa, il est fort. Imaginez, père son âme, sur ce même beat là, Debordeaux Likoufa et Didier Arafat. Ça va créer des étincelles. Parce que Debordeaux Likoufa, X Didi B, mais vous voyez un peu ce que ça envoie. Maintenant, imaginez Debordeaux Likoufa avec ce qu'il a fait dans ce morceau-là. Et Didier Arafat, vous savez que Didier Arafat va se surpasser encore. On a vu un peu avec le featuring Évasion. Vous avez vu ce que ça donnait. Debordeaux Likoufa. J'en perds les mots. Sérieusement, j'en perds les mots. Maintenant, parlons même de la prod. Félicitations à Monsieur le Juif. Monsieur le Juif, en tout cas, tu y es fort. Je ne dirais pas tu, mais tu y es très fort. Pourquoi je vous dis que Monsieur le Juif est fort? Honnêtement, moi-même, je pensais que quand Debordeaux s'est séparé de bébé Philippe, ça allait être un peu compliqué pour lui. Mais pas forcément compliqué parce que c'est déjà fait un an. Mais les morceaux allaient changer. Mais quand vous écoutez tous les morceaux de Debordeaux Likoufa, pour ceux qui connaissent bien Debordeaux Likoufa, vous avez l'impression qu'il travaille toujours avec le même arrangeur. Mais là, depuis un moment, c'est avec Monsieur le Juif qui travaille. Et vous voyez que, pourquoi je félicite Monsieur le Juif? Monsieur le Juif, je le félicite parce que Debordeaux, c'est un artiste qui rentre en studio et puis il dit, je veux que le son soit con. Tac, 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 tac. Et puis tu mets une tête. Ça, c'est du Debordeaux Likoufa. Mais il faut être un génie au niveau de l'arrangement pour pouvoir faire ce que Monsieur le Juif fait. La prod a rien à dire. Mais là, moi, il y a un petit souci avec Monsieur le Juif. Ça, c'est mon avis personnel. Je ne sais pas si vous êtes d'avis avec moi, mais au niveau du mastering, j'ai l'impression que les sons de Monsieur le Juif sont pas très lourds. Parce que, prenez un home cinéma ou bien un ouf. Je ne comprends pas à Bébé Philippe. Il sait que son Bébé Philippe, c'est son vieux père et tout. Il a beaucoup de respect pour ce grand-là. Mais je lui dis, écoutez les arrangements de Bébé Philippe avec des Bordeaux dans un ouf, dans un home cinéma et écoutez les arrangements de Monsieur le Juif. Structuration musicale, rien à dire. Tout est à sa place, c'est vraiment bien arrangé, mais le son n'est pas puissant, le son n'est pas percutant, le son n'est pas lourd. Pour moi, c'est pas au niveau du mastering, Monsieur le Juif n'est pas encore très fort. C'est ça mon bémol avec Monsieur le Juif. Non, écoutez les morceaux de Serge Bello. Écoutez les morceaux de Serge Bello en boîte ou bien dans les baffes même d'une voiture. Sans jette, sans voix, lourd. Vous savez que le mastering, là, il joue pas à ça. Parce que tu as beau chanter, ton mastering n'est pas trop ça. Ça fait que on joue ton morceau, mais ton morceau n'est pas percutant comme les autres morceaux qui ont joué avant ton morceau, mais qui vont jouer après ton morceau. C'est ça mon souci avec Monsieur le Juif. Sinon, dans l'ensemble, rien à dire. Mister Light Come Off, c'est ça, non? Le réalisateur du clip. Bravo. Chapeau. On te voyait plus un moment. Moi, je pensais que tu avais laissé la réalisation, mais apparemment, tu as toujours les trucs de la réalisation dans tes droits. Regardez les couleurs. Je ne sais pas si ça a été pensé par Debordeaux ou bien par Mister Light, mais franchement, les danseurs étaient vraiment bien habillés, c'était joli à voir, le clip était animé. Franchement, je pense que ce son-là, s'il n'y a pas de jaloux et si YouTube ne fait pas de restrictions, ce son-là mérite le million en 24 heures. Donc, sachez que le lien du son est dans ma description. Il faut cliquer au maximum et partager sans vous fatiguer. Debordeaux le mérite amplement. Parce que jusque-là, franchement, monsieur est devenu calme. Donc, je pense pour ma part que quand il est calme, nous, ce qu'on a à faire, c'est lui dire, reste calme, nous, en fait, on va te soutenir.
que ce soit dans tes concerts, que ce soit streamé sur les plateformes de téléchargement, légal, plateformes de téléchargement, légal ou légaux, dans tous les cas, vous choisissez un comme le fait à Poutou. Mais en tout cas, nous, on va se charger de booster tes œuvres musicaux. Des œuvres musicales. Qu'est-ce qu'Hérito a aujourd'hui? Je ne vais pas couper ça au montage. Voilà. Il faut savoir qu'Hérito aussi. De toute façon, vous pensez qu'il parle trop français là, il se trompe aussi. Voilà. Donc, c'était la vidéo du cryptage de Dodo et de Bordeaux Likofa X. Didi B, j'ai besoin de vos avis en commentaire. Que Dieu bénisse mes abonnés, que Dieu bénisse ce morceau-là, que Dieu bénisse Didi B et de Bordeaux Likofa. C'est la musique ivoirienne qui gagne. Ciao, ciao. Maximum de partage et de likes sur cette vidéo-là.